Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Salut tout le monde, ici Sonic Soundpower, plus connu sous le nom de Sonic, et aujourd'hui on se retrouve pour le 25e épisode du Let's Through de Super Mario Sunshine. C'est parti les enfants! Et on en était à 48 Shine Sprite, et on va continuer avec la plage Sirena dans l'hôtel Delfino, c'est parti! Le truc de la Benoki pour l'instant, il va se faire foutre. On s'équipe directement de la catabuse, on perd pas de temps, décollage immédiat et direction la plage Sirena. Oh, ça rime. Le secret du casino. Ah bah voilà qui me plaît. Alors tant qu'on y est, je vous rappelle un peu le programme que j'ai prévu après Mario Sunshine. Donc je vais faire là, nous faisons Mario Sunshine. Une fois que j'aurai fini ma série sur Super Mario Sunshine, je compte faire, je vous l'ai dit, une revanche sur Luigi's Mansion. Qui s'intitulera Luigi's Mansion la revanche. Bon. Vous aurez sans doute compris que je me suis inspiré de JDG la revanche pour trouver ce titre. Donc après Mario Sunshine, ce sera Luigi's Mansion la revanche. Ensuite, après Luigi's Mansion, ce sera Wario World. Qui était jouable, difficilement jouable, mais jouable quand même sur PC. Avec les commandes du... Ah, maintenant que j'ai la manette, ça devrait un peu mieux se passer. Et quand ce sera fait, après sur Wario World, je vous laisse décider quel jeu vous voulez que je fasse ensuite. Parce que j'ai trois idées de jeu. La première, c'est Astérix et Obélix XXL Mission Las Vegas. La deuxième, c'est Monster Hunter World sur PC. Le portage PS2 que j'aurai sur PlayStation, ou bien c'était quoi déjà, ou bien Castlevania premier du nom. Je vous laisse choisir et moi je vais à l'hôtel. On aurait dû faire un tour au casino, je dirais à mes videurs de vous laisser passer. Soit, de toute façon s'ils m'acceptent pas je leur balance de l'eau à la gueule. Je vais aller au casino. Ah, Mario, par ici, je vous en prie. Très bien. Le secret du casino. Oh putain, cette musique, écoutez ça. Faire en fait, secret du casino. Je crois que je sais. Il faut des 7, ok.
ses limites. Voilà. Et maintenant, je parais qu'il faut faire la même chose de l'autre côté. Est-ce que j'ai gagné quelque chose? Non, il n'y a rien qui s'affiche. Allons voir de l'autre côté. Arrêtez, je vérifie maintenant. La la la. C'est trop génial ce thème. Hop là. Comment je m'en débarrasse? Merde! Faut que je trouve un moyen. Très bien, mais... Faut que je fasse 7 à chaque fois en fait. Voilà, 1 7. 2 7. Ouais. C'est bien ce qu'il fallait. Maintenant, il y a le connard de fond. Harcelé. Foutez-moi la paix, les fantômes. Foutez-moi la paix, bordel de merde! Je vais dire, tu as à cause de ces fantômes qui me suivent partout où je vais. Putain, mais si, ils viennent me suivre. J'y crois pas, je vais mourir à cause de ces connards de fantômes. Avoir des pièces, s'il vous plaît. Non, évidemment, je n'ai pas le droit d'avoir de pièces. Mais laissez-moi jouer en paix, bande de connards de... Mais putain, arrête! Bon allez, vas-y Mario, meurs. Puisque c'est tout ce que tu sais faire, vas-y, crève. Crève, 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 crève. Oh, et bien sûr, il m'éjecte du niveau. Putain. Saleté de fantôme. Allez.
le calmer. Cette fois, essayons de ne pas faire l'erreur. Essayons de ne pas faire apparaître de fantôme. Apparaître fantôme cette fois. Ah mais je suis condamné à faire apparaître des fantômes hein. Je n'ai pas le droit de ne pas en faire apparaître. Tant bien y avoir un moyen de les tuer. Ah mais je suis condamné à les faire apparaître. Je n'ai pas le droit de ne pas les faire apparaître. Ces connards de fantômes apparaissent forcément. Je n'ai pas le droit de ne pas les invoquer. Ça me casse les couilles. Être obligé de faire apparaître les ennemis. On ne dirait pas. J'ai trouvé le moyen de contrer les fantômes, les enfants. C'est parfait. Donc, on va refuel. Voilà. Tout de même. Et maintenant que je suis là. Non, je peux y tuer. Alors apparemment oui, je pouvais les tuer en les sautant. Vous n'avez rien entendu, ok? Thank you.
Merde. Oh yes. C'est parti les enfants. C'est un niveau secret. Putain. Niveau secret sur niveau secret, je commence à en avoir un peu marre. Bon. Ça, ça va être dur. Merde. Je dis ça va être dur, mais j'y arrive comme un prince pour l'instant. Un labyrinthe mouvant. Oh putain. Faut me faire avoir. Maintenant. J'arriverai du premier coup, c'est impensable. Oula. Eh ben si, du premier coup. Alors là, il y a King of the Giga World. Là, c'est King of the Kingdom, là. C'est King of the Universe. King of the Multiverse. J'aurais jamais cru que j'arriverais à passer un niveau comme ça dès le premier coup. Faut croire que tu t'améliores, Sonic. Merci. C'est quand même cassé la gueule. Il a dû s'exploser le fessier sur le rebord. Le roi Blue impère et gagne. Ça se dit pas impère et gagne que je sache. Non, ce sera sûrement pas le même que dans Luigi's Mansion. Hein. Voilà. Alors. Ah Mario, le casino est par là. Bon. En fait, il est fermé aujourd'hui. Il y a des bruits terrifiants qui viennent de la cave. Vous pouvez voir ce que vous faites. Bon, et puis merde, on s'en fout de ce qu'il dit. J'ai l'image de Luigi's Mansion de sa côté sur l'écran de sur les rangs Ram Station. Je pense qu'on va faire cette étoile et on mettra fin à l'épisode. Parce que je sais pas depuis combien de temps on joue. Donc, on fait cette étoile. Oh putain! Alors, c'est par où que je dois aller, moi, en fait? Ah! J'ai trouvé le moyen de reconnaître les fausses pièces. C'est celles qui ne bougent pas. Je ne suis pas débile! Putain, crétin. Celles qui ne tournoient pas sur elles-mêmes sont des fausses. Putain, et ils me touchent quand même. La vie. Je vais vous battre, saleté de mort, fantôme. Oh putain, lui, il vole un peu trop haut. Je vais pas pouvoir le tuer. Si. Ça touche quand même. Mon or. Et voilà le travail. Si j'avais su que je pouvais les tuer comme les combats. Ah, ils sont là-bas. Petit petit. Alors toi tu sais que t'es un peu. Et voilà. Hé hey, ma pièce bleue. Oh du cul. Et hop là. Allez. Le respect. Voilà, j'ai tué tous tes copains qui est où. Alors t'es où? Non, j'ai pas tué tous ses copains. Il y en a encore un qui a mobilisé là. Voilà, maintenant il n'y a plus personne. Il y a encore un fantôme, mais où? Tiens, tiens. C'est quoi ça?
Je me disais aussi. Où qu'on est là, putain, où que je suis moi? Bon, ça va. Ramenez-vous! Oh putain, il y a vraiment une sale gueule. Il y a des ananas. Oh! Je vois ce que je dois faire. Non! Voilà, c'est ça. Fuck that shit. Putain, mais en plus, je peux même pas... Ah, t'aimes pas la nourriture épicée. Quoi, c'est un point d'interrogation là. Oh. Les fruits s'il vous plaît, merci. Voilà, le piment, le piment. Non! C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah bah je vois les trucs violets, faut simplement les arrêter. Oh putain. À faire, c'est attendre en fait. Je pense que c'est tout ce que je peux faire. Putain! Caméra de merde. Il va m'en faire spawner combien? What? Ah, mauvais score. Ah bah merci beaucoup, j'ai envie de dire. Les fruits, s'il vous plaît. Ah, je crois savoir ce que je dois faire maintenant. Mais Mario.
Attrape-le, ne te jette pas dessus. Comment je suis censé m'y prendre pour le battre? Voilà. Maintenant! Balance un de ses fantômes dans la gueule ou quoi? Ah bah t'es, pas contre. Qu'est-ce que c'est ce truc? Tiens, mange ça. C'est ça, vous me renvoyez ces fantômes dans la tête. Nanton. Pourquoi je le touche pas, nom de Dieu? Mario, cesse de faire le demeuré. Et donne-lui le piment. Eh hey, mais connard! Bon. Stop. Bon, et bah pas plus d'un soleil par vidéo, encore une fois. Donc on va recommencer dans l'épisode 26. Salut à tous et bye bye.